Salut à tous et à tous amis, c'est Tutor Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour sur le Tour de France et pour le mode Pro Team. Donc je vous explique le concept. En fait, on va faire une équipe. Donc je vais prendre le maillot de l'Angleterre. Et en fait, on va faire une équipe où on recrutera que des Anglais. Bon, sauf au départ où sûrement on prendra pas des Anglais parce que j'en aurais pas débloqué. Donc voilà, on va prendre ce magnifique maillot. L'équipe, on va l'appeler la Tutor Gaming Team. Bien sûr. Hop, voilà, Gaming et Team. Donc voilà, on est directement parti sur ce critérium international de 3 étapes. Porto Vecchio Conca, Porto Vecchio, petit prologue, ouais. Et Porto Vecchio Col de l'Ospedale. Donc je m'attends pas à être qualifié pour le critérium pour le critérium du Dauphiné, ni pour le Tour de France bien sûr. Ça attendra. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour les objectifs. Donc voilà, tout d'abord les amis, on se retrouve pour les objectifs de cette étape. On a plusieurs objectifs. C'est de finir dans les 25 premières étapes et de prendre l'échappée du jour avec ces deux coureurs. Donc on va prendre l'échappée avec Kurov. Et pourquoi pas aller chercher le premier grimpeur. Donc voilà, ça serait pas mal quand même de prendre déjà un maillot distinctif. Voilà le magnifique maillot de la Grande-Bretagne. Bonjour à tous et bienvenue en course. On est parti, on passe sur la gauche. Et sans difficulté, devrait voilà. Se terminer par un sprint. Écartez-vous, ça va partir sur la droite là, je le sens bien arriver. Et on y va, hop, Van Steyen, je crois qu'il va y aller, je pense que ça va me suivre. 5 km du sommet, les amis. Hop, voilà, c'est parti. On relance. Et ça contre tout de suite à l'arrière. Ah, le peloton il nous a repris. Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne à chercher. Donc voilà les amis, on se retrouve un peu plus tard dans la course. Donc voilà, on se retrouve à 400 mètres du sommet. Et on est avec Maxime Gourov. On est encore dans le peloton, mais on va essayer de prendre le maillot distinctif de la montagne. Et voilà, c'est fait les amis. On va continuer notre effort. Donc voilà, on se retrouve à quelques kilomètres du sprint intermédiaire. Donc voilà, 3 km du sprint intermédiaire. On est avec Marnie, donc on peut le voir, Kurov s'est fait reprendre. Il a fait un coup moins bien, du coup il s'est fait reprendre par le peloton donc échappé composé de Matteo Trentin, Adrien Petit, pardon, Thomas Bouda et Binot, que je connais pas de la Lotto Soudal. Donc voilà, 1,5 km. Allez, on suit avec Marnie qui est vraiment très très mauvais sprinter. Hein. Alors, des mêmes Van Poppel va nous battre. Donc voilà, on va finir 13e du sprint intermédiaire. Donc les amis, on va se retrouver à quelques kilomètres du sprint de l'arrivée, pardon. Donc voilà les amis, on se retrouve à 5 km de l'arrivée, comme vous pouvez le voir, sec Marnier. Ça roule à toc dans le peloton. Je suis 91e. J'arrive pas à remonter. Voilà, on essaie de remonter sur la gauche, mais ça roule vraiment très très vite. Voilà, l'échappée, dès le sprint intermédiaire, ça s'est mis à rouler à toc. Mais depuis le sprint intermédiaire, ça roule comme ça. Voilà, 3 km de l'arrivée. On est 62e pour faire top 25, c'est impossible là maintenant. C'est mission impossible. L'échappée qui aurait été très très loin. Voilà, on prend le ravitaillement. Et on va lancer, on se fait gêner par Geniève. Allez, top 25, top 25, allez Marnier. Oh là 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 là, impossible, impossible. 25e, oh là là, non, non, c'est impossible les amis. C'est très très dur avec Marnier. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les podiums. Voilà, maillot à poids les amis. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Maxime Kurov, maillot à poids.
Donc voilà. On va passer, parce que c'est pas très très intéressant. Donc voilà, victoire de deux Italiens. Hein. Je pense que c'est Pelucchi devant Guardini, devant Siolek, Dumoulin, Ferrari, Benetti, Ventoso, Flandre, Rencho, Impé. D'accord, Kourov qui fait 25e, Paro 16e, 18e Valois. Tous mes équipiers sont là. Tu as pris un meilleur leader, c'est la joie dans l'équipe. Tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération. Bête, tant mieux. Voilà, aucun objectif. Hein. Donc voilà, et on va se retrouver, les amis, pour les objectifs de. Donc voilà, on se retrouve pour les objectifs. On a l'objectif de terminer en 8 minutes 10 avec Valois. On va essayer pour s'améliorer en contre-la-montre. On est vraiment très très faible. De ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Allez, allez Valois. Allez, le chrono est court, il faut trouver un bon rythme le plus vite possible. C'est parti, 8 minutes 10, on va essayer les amis. Voilà. On peut relancer un petit peu, on a encore pas mal de barres. Reste bien en ligne, ne relance pas pour le moment. Attention, virage à droite. On a bien négocié ce virage là. On relance un petit peu, super bien. Après le virage à gauche, tu vas aborder un double à bouton, ne relance pas trop fort. On relance pas très très fort, voilà. Allez Valois. Voilà, on a pas mal d'avance, on est premier. Ah ouais, mais on a plus beaucoup de barres par contre. La barre, le curseur d'arrivée qui revient à la barre bleue. C'est super. Voilà. Allez, on va pas trop relancer les amis. Allez, 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 allez. Ah, on est arrivé, voilà. On a mis 8 minutes 01, je crois. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je pense pas qu'on ait gagné. Et si on a gagné les amis, on a le maillot jaune. Il va monter sur le podium. Le maillot à poids. Et donc voilà les amis. C'est super. En ex aequo. Donc voilà. Donc voilà les amis. On a le maillot jaune. On a remporté l'étape, pris le maillot leader. On a un bonus de 2. Donc voilà. On passe et on va se retrouver tout de suite les amis dans cette étape. Donc bon les amis, on se retrouve pour les objectifs de l'étape. Et l'étape, conserver le maillot jaune avec Valois, d'accord. Lui, je pense, il a un peu cru. Finalement, les 25 premiers de l'étape, lui aussi, il a cru, je pense. Donc voilà les amis, on va se retrouver au milieu de la bosse. Peut-être la fin, les 3 derniers kilomètres, parce que je sais très bien que là, on va pas faire dans les 25 premiers. Non, voilà, d'abord, je vais vous faire voir le magnifique maillot jaune, mes amis. Voilà, magnifique maillot jaune et magnifique maillot à poids. Mesdames et messieurs, bonjour. C'était deux maillots leader. Du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot. C'est magnifique, les amis. La montée finale obligera les favoris à se découvrir. Les deux maillots distinctifs. Donc voilà, on va se retrouver pour la fin de cette étape, les amis. Voilà, on se retrouve à 3,1 km de l'arrivée, comme vous pouvez le voir. Déjà, les premiers sont arrivés. Kizalovski, Jeunesse, Viermo, Schleck, Tarmé. Et moi, je sais Kourov, car qui était notre favori, Guidon, qui est 91e, donc derrière nous encore. Donc du coup, j'ai préféré... Reste avec Kourov.
Donc voilà. Attendez, non. Ça attaque maintenant, en tête du peloton. Donc voilà, donc avec coureur, on est à 2 km, voilà. On va faire dans les 70 premiers, 80 premiers. Voilà, c'est vraiment faible ce qu'on a fait là. Aussi, on n'a pas vraiment la bonne équipe. On a vraiment une équipe pourrie. On peut dire ça comme ça, hein, franchement. On a une équipe pourrie. Hein. Donc voilà, au fur et à mesure de la saison, de toute façon, on aura des bons gars à la fin. J'espère Chris Froome et Cavendish. Les deux meilleurs britanniques, pratiquement. Hein. Et après, on prendra Wiggins en légende, mais bon. On n'est pas prêt de les avoir. Donc voilà, hop, 0,7 km. Voilà, on va peut-être sprinter, je sais pas si... Je sais pas si ça aura quelque chose de sprinter ou pas, mais bon. Voilà, 73e on fait. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour... on n'y aura pas de podium, donc... pour les classements. Donc voilà, on se retrouve pour les classements. Donc voilà, on peut voir mon équipe. Valois 69e, Kourov 73, Guidon 89. Et oui, il est très très loin. Donc Paro qui fait dernier, je crois. Rigo et Paro, d'accord, 195, 196, sur 198. Bravo. On avait envoyé personne dans l'échappée. Classement de la combativité. On n'a personne. Hop, par point, montagne. Ok, ok, ok. Donc voilà Kizarowski qui gagnait le général. On a que 27 000, ça nous fait 42 000. C'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, on peut voir la nouvelle saison. Conca Bastia, le contre-la-montre qui n'a pas changé. Et là, Chabreuil, la montée du Mont Ventoux, les amis. Et oui. Donc voilà, donc dans la montagne, bien sûr, on va prendre un coureur qui ne sort pas anglais, car je crois qu'il y a c'est Kinoff, le dernier anglais qu'on peut prendre. Enfin, qu'on n'a pas débloqué, mais qui y a. Voilà, après, il n'y a pas d'anglais, je crois pas. J'ai bien regardé. Donc, voilà. On va prendre Rosé Errada. Ouais, on va prendre Errada, on va vendre Guidon. Et on achète Rosé Errada pour les sprints. Y a-t-il un anglais là pour... Je n'ai pas regardé. J'espère qu'il y en a un. Hein, parce que si on fait une équipe anglaise, mais qu'on recrute aucun anglais. Et oui, il y a Bliff. Donc voilà, 73 de sprint, 76 en accélération. Donc on va le prendre, bien sûr. On vend Marnier. On achète Bliff. On va regarder s'il n'y a pas d'autres anglais pour... Ah si, Andrew Fenn. Ouh les amis, Andrew Fenn. Donc on va également le prendre. Ok, d'accord. Ah voilà, ça avait fait un petit bug. Donc je crois pas qu'il y en ait d'autres. Au pire après, ils seront plutôt faibles. Donc il y a Twaith. Mais non. Ok, ok, en vallon. Y a-t-il des gars en vallon? Je crois pas Simon Yet. Bon, je l'ai pas débloqué. Isagil, Durasek. Non, c'est pas des anglais. Non, 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 il n'y a pas l'air d'avoir d'anglais en vallon. Attends, je vais regarder dans les premiers déjà s'il y en a des gars qui sont bons. Non, ok, il y en a même pas. On fera avec Simon Yet, ça écoutez. Donc voilà, donc on va prendre, je sais pas si on en prend un, donc on va regarder en polyvalent. Donc en polyvalent il y a Dowsett, Stannard, ok. Ah dommage, il y en avait deux là, Cummings et Rose. On va regarder s'il y en a pas là, Oliveira. Ah, c'est pas des anglais. Putain, je croyais que j'en avais vu un, mais en fait c'est un américain. Il n'y a pas l'air d'avoir d'anglais. Toujours pas, toujours pas. Et non, malheureusement, il n'y a pas d'anglais là. On va en prendre un quand même parce qu'on va pas faire 100 gars qui sont
avec des gars qui sont pas polyvalents. Bon, on va prendre Oliveira qui d'ailleurs a été sacré champion du Portugal. Donc voilà, on va vendre Rio, on achète Oliveira et il se place direct devant. J'aimerais bien en prendre un autre. Boucher, ok. Lui, il a l'air pas mal. On va acheter Christian Kness, je crois, c'est ça. Je ne suis pas sûr. J'ai bien envie de prendre un vallon quand même, un gars, un bon en vallon. Allez, on va prendre. Non, on va pas acheter de vallon, les gars. Donc voilà, on valide. J'aimerais bien prendre un autre montagnard, même si c'est pas un anglais. Il y a Adam Yates là. Qui nous ouais, d'accord. On va acheter un deuxième vallon, un moins fort. On va descendre un peu. Allez, Nicolas Aidé. Un coureur que j'apprécie particulièrement. Oh, attendez. Ouais, non, on va prendre Nicolas Aidé. Donc là, vous allez me dire, c'est pas du tout une équipe anglaise, ce que t'as fait et tout. Mais il n'y avait pas d'anglais de débloqué, à part un sprinter. Donc voilà, les amis. On se retrouvera pour cette prochaine saison. En tout cas, moi, je dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.